La forêt de l'Amazonie est sans fin. On l'appelait la guillotine verte, la guillotine sèche. Guillotine sèche était une expression courante au bagne pour qualifier la Guyane. Guillotine sèche, donc le climat de la Guyane étant dur, que l'on veuille ou non, hein, c'est un climat quand même qui n'est pas facile, avec des maladies tropicales. Donc guillotine sèche, ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de monter sur la guillotine officielle, sur la veuve, comme on disait à l'époque. Le climat et l'environnement, pathologique, faisaient le nécessaire, c'est-à-dire exécuter les gens sans même qu'on ait besoin de prononcer une exécution capitale. C'est l'Amazone. C'est toute, c'était donc guillotine parce que camp de la mort, hein, c'était vraiment une peine très dure. Et puis verte parce qu'elle se passait, au milieu de la forêt. Et la forêt était aussi mortelle que les conditions de vie, c'est-à-dire la rudeur de la vie et la rudesse. On n'a jamais traversé la Guyane d'est en ouest. On peut pas. Tout l'intérieur, vous ne pouvez pas y mettre un pied. Une terre marécageuse, un environnement hostile qui va accueillir les déportés. Ici, ils seront confrontés à la rudesse de la nature et aux dangers de la forêt amazonienne qui résonne en permanence des échos des animaux de toutes sortes, qui bouillonnent d'insectes, de chaleur et de maladies tropicales. Une multitude d'insectes et d'animaux dangereux. Donc c'était des peines absolument terribles. C'était un peu, c'était un camp de la mort. Hein. Quand ceux qui partaient, rares étaient ceux qui revenaient. On a eu quand même, sur les 70 000 condamnés, 50 000 morts. Donc c'était vraiment la guillotine sèche, la guillotine verte. De 1852 à 1867, sur les 18 000 condamnés envoyés en Guyane pendant cette période, 7 000 y ont trouvé la mort. Les 15 premières années ont révélé les conséquences désastreuses de la transportation en Guyane. Ce qui a poussé l'administration coloniale à arrêter l'envoi de condamnés européens en Guyane pendant 20 ans. L'idée vient, et on le retrouve dans les documents aussi du Second Empire, que les forçats métropolitains, les blancs, sont pas faits pour ce climat, sont pas faits pour ces travaux, et qu'il faut leur donner une autre destination. Par contre, ceux qui relèvent de l'Afrique ou des condamnés africains au sens large, que ce soit ceux qui vont venir à un moment de l'Afrique occidentale française ou du Maghreb, eux, on considère qu'ils sont habitués au soleil, enfin, c'est des idées, hein, bien sûr, dont on devine bien l'origine, on considère qu'eux, ils peuvent travailler en Guyane. Lorsqu'on ferme le bagne de Guyane aux Européens, aux condamnés d'origine française, métropolitaine, on le laisse ouvert pour les Arabes et puis pour les condamnés de travaux forcés des autres colonies, car évidemment, selon l'expression de l'époque, ils sont plus aptes à supporter le climat et la dureté de la condition et des conditions sanitaires en Guyane que les Européens. C'est en tout cas le prétexte qui est pris. Les Algériens n'ont jamais cessé d'être envoyés en Guyane, effectivement, même pendant la période d'arrêt entre 67 et 87, sous prétexte qu'on jugeait qu'ils avaient l'habitude des conditions climatiques extrêmes, qu'ils étaient beaucoup plus résistants, soi-disant, que les Français. Dans tous les dossiers d'Algériens retrouvés dans les archives, figure la mention. Apte à être occupé à des travaux de colonisation sous tout climat. Et depuis 1867, les condamnés européens sont envoyés en Nouvelle-Calédonie sous prétexte que le climat y est moins dur pour eux. Ils n'ont pas le qualifié de discrimination, hein, je pense, de toute façon. Je crois que c'est une question raciale. Sous-tend l'histoire du bagne. Toute l'histoire du bagne est marquée par des comportements discriminatoires, touchant à la dignité humaine.
Un médecin-chef de la marine déclare : ces hommes en général ne doivent pas se reproduire. Ils doivent disparaître tout entiers. Ce n'est pas à eux qu'il appartient de perpétuer l'espèce humaine. La discrimination touche même les rations alimentaires des Algériens. On constate que les rations alimentaires ne sont pas les mêmes selon le type de condamné auquel on a affaire. Par exemple, le nouveau camp, ça c'est autour des années 1918. Le nouveau camp, qui était un camp du territoire pénitentiaire du Maroni, a une population majoritairement, je bafouille, excusez-moi, de Nord-Africains, d'Arabes, comme nous disions. Eh bien, les rations alimentaires sont inférieures à ce qu'elles étaient pour le reste des condamnés d'origine européenne. Et pour attiser la haine entre condamnés français et algériens, l'administration pénitentiaire a nommé certains déportés algériens comme porte-clés, chargés d'assister les surveillants pénitentiaires. Tout ce qui est algérien, donc arabe, était considéré comme les ennemis des bannières européens. Donc on dit souvent que la France et l'administration pénitentiaire utilisaient les bannières arabes pour justement s'en servir comme surveillants des autres bannières. Ils comptaient sur leur esprit de vengeance face aux chrétiens qu'ils appelaient d'ailleurs les Roumis, hein, El Roumi. Donc le porte-clés, c'est le surveillant des bagnards. L'Algérien, en termes généraux, était quand même vu avec une certaine suspicion. Et il y avait une perception un peu ambiguë. Dans le contexte de l'époque, c'était un homme qui était veule et fourbe. On ne peut pas se fier à lui. Et l'administration pénitentiaire utilise ces condamnés maghrébins pour être des porte-clés, c'est-à-dire pour, en quelque sorte, faire bifurquer la haine de certains condamnés vers l'autorité ou les surveillants militaires, que cette haine s'applique vers les porte-clés plutôt que vers les surveillants militaires. Pendant leur séjour, ils seront affectés dans différents bagnes. Cayenne, Kourou, les îles du Salut, Saint-Laurent du Maroni, Charvin. Les noms se multiplient et leur destin est le même dans l'enfer vert de l'Amazonie. Ni le temps, ni l'âge n'ont effacé de la mémoire d'Ali Belhouts les différents camps où se sont déroulées ces années de bagne. Charvin, l'Ouled, la Manaou, Dariakabou, Bakabou, Tikayen, Rouf de Kourim, Rouf de Zabit. Le camp de la transportation de Saint-Laurent du Maroni est le plus grand de Guyane française. Il peut contenir jusqu'à 2400 déportés. Construit par les déportés, ici, ils ont connu l'arbitraire, la faim, l'isolement, l'humiliation et les exécutions. Suivez-moi, vous allez voir ce qu'était le bagne. Ici, on ne voit que le ciel. Des grilles rouillées, des murs moisis, des cellules, des puits. Autant de témoins silencieux de cette histoire douloureuse. C'est un univers terrifiant. Ici, vous avez des cellules individuelles où étaient isolés des bagnards en prévention, c'est-à-dire en attente de leur jugement. C'est la cellule 47. Là où a séjourné le bagnard surnommé Papillon. Ali Belhouts aurait côtoyé Henri Charrière, alias Papillon, célèbre par son livre et son film. Il nous raconte. Papillon. Et bien,
يجي يعطوا نار ما ناكلوش باش ما ماش مليح خليوها هكا. كان واحد دوج واحد بارمانغو يوضعوا واحد راهم وصلوا بارمانغو واحد وصلوا بابيو يطيبوا مرميطة يجيبوا دار مسافة برا خاطر نخرجوا برا نخدموهم أسيدي يطيب يطيب ثما في الكايب تاع الراجل يقولوا له الراجل قاع ما راكش الصور ضيح حنا يحوسونا قاع صار لا ما عندناش الصور هو جاب البلا ما راه يديرها في كفو كفو هذا هو اللي خرج هذا البلا يقولوا له البلا الصور بتاعه قاع ثما Vous voyez, c'est ici qu'ils couchaient les bagnards sur des planchers en bois. La cheville entravée par une boucle en fer. Dans les blocos, les déportés sont attachés à une barre de justice toute la nuit. Dans une lettre adressée à un ministre, un déporté décrit la vie dans ces salles communes. Mourir à petit feu. Dans des cellules et des cachots, les plus malsains que l'homme puisse avoir inventés, équivaudraient à une mort lente et douloureuse. S'éteindre comme une bougie, ou si vous préférez, une guillotine sèche. Placer un condamné dans cette perspective et lui assurer une mort longue et atroce, et le pousser à des actes qui, quelquefois, seraient contraires à ses idées. Quand les verrous ont grincé sur nous, j'avais la sensation qu'ils m'avaient enterré vivant avec 40 morts. Dans la case, des hommes jeunes ou vieux, sans pudeur, sanglotaient. Le cri d'un déporté. La nuit, dans le camp de la transportation, que ce soit pour les cases ou pour le quartier disciplinaire, normalement, comme dans toute prison, la nuit, c'est le silence. Mais c'est un silence qui est rompu par des cris, parfois par des hurlements, par des forçats qui sont des hommes qui font des cauchemars et des bagarres qui peuvent avoir lieu pendant la nuit. Pour réprimer les déportés, le 4 novembre 1889, un décret établit une juridiction d'exception, le tribunal maritime spécial, qui siège 3 à 4 fois par an. Ici, vous avez le tribunal maritime spécial, là où étaient jugés les bagnards récidivistes, là où tombaient les sentences, le cachot, ou la réclusion cellulaire. Les hommes punis quittent Saint-Laurent-du-Maroni pour Charvin et Godberg en un convoi tragique vers ces camps meurtriers, les camps forestiers. Sur les traces de ces camps, notre quête nous mène sur le fleuve Maroni, à bord d'une pirogue à la découverte des camps forestiers qui étaient la hantise de tous les déportés. Sur les 12 camps existants, nous en avons visité 2, la Forestière et Charvin. Ici, nous sommes sur l'ancien site de bagne. C'était un bagne, ça s'appelait la Forestière. Forestière, ça c'était l'horreur, oui. C'était l'horreur, oui. Suivez-moi. Ces camps sont des camps disciplinaires, régis par le règlement de 1897. Qui stipule dans son article 18 que « Les condamnés envoyés au camp disciplinaire sont mis chaque nuit à la barre de justice, c'est-à-dire que leurs pieds sont maintenus aux chevilles par une boucle double. » On a la case des Arabes à côté de la cuisine. C'est où la case des Arabes? Ça, je pense, hein, parce que je ne vois pas les vestiges. C'est par rapport à ça. On a le débarcadère, là. Je me retrouve par rapport au débarcadère. Normalement, c'est ça. Mmh.
Ici, c'était les carbets des bagnards. C'est ici qu'ils se logeaient, on va dire. Voilà, il y a quelques pilotis encore. Ces lieux sont rongés par la jungle et les traces s'effacent avec le temps. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est un grand patrimoine, une grande partie d'histoire, oui, qui est en train de disparaître. Autrefois, ces forêts étaient de hauts lieux des travaux forcés, avec les pires mesures punitives. On a tout droit le chant, il y a fait tout droit le chant, il y a tout droit le chant, il y a tout droit le chant, il y a tout droit. Dans les archives, nous avons trouvé un document inédit qui décrit la vie des chantiers au camp de Charvin. Une cloche a retenti, c'est le réveil. Il est 3h du matin. Les gardiens des cases vont chercher le café et distribuent un quart de 25 centilitres par homme. Un deuxième coup de cloche. Il est cette fois 4h et les bardeliers s'acheminent vers le magasin d'outillage pour se munir des planches, scies et tous les matériels qui leur est indispensable dans la brousse. Les hommes travaillant au bardeau sont par équipe et les équipes sont montées de 3 hommes, dont un abatteur et 2 scieurs. Les hommes, exténués de fatigue, se firent porter malades pour faire constater par le médecin que ce n'était pas de la mauvaise volonté de travail, mais simplement que c'était impossible de faire la tâche. Menace de 30 jours de cellule à qui que ce soit qui oserait parler du travail. Pour nous, les forçats, il nous faut bien peu de choses pour être tranquilles, en pensant qu'un jour peut-être la liberté nous sauvera, soit par une grâce ou par une belle évasion. Ils abattaient là-bas des arbres. On dit qu'il y avait un mort par arbre. Il y avait là-bas des morts tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ils vivaient nus là-bas. Ils vivaient nus. Ils n'avaient absolument aucune protection contre les agressions de la nature à côté. C'était des camps disciplinaires. Sur ce camp forestier, c'était un camp de punis, c'était un camp exceptionnel. C'était les bagnards qui tractaient donc les troncs d'arbres. Donc quand on imagine ce qu'un tronc d'arbre en forêt équatoriale et les tonnes qu'un tronc d'arbre peut peser, on imagine la force déployée, l'énergie déployée par les bagnards pour pouvoir réaliser leurs tâches. Il faisait la quantité commandée. S'il ne la faisait pas, il voyait sa ration alimentaire diminuer. Quand on ne faisait pas son ster dans la journée, il fallait le faire le lendemain sans avoir mangé et autre. Bon, c'est ce qui vous livrait à une mort certaine. On n'en sortait pas de la forestière. العذاب بأتم معنى الكلمة بأتم معنى الكلمة وش يحكي بابا يحكي دين بحرقة ونبكيه معاه يعني عذاب عذاب عذاب. Bakir porte le traumatisme vécu par son père au bagne de Guyane. Les travaux forcés qui خرجوهم الصباح بكري يخدموا وما جي تما جيعانين صح يعني ما كلا ما كلا لا والو يخدموا في الغياب في الغابه كي يكونوا يقطعوا النخل القساوه تاع الخدمه قسيقه يحكي على الناس اللي كانت معاه يعني تموت تما تطيح تما تسوفري تما كان يقول لك باللي 3 شهور 6 شهور يشوف صحابو يتبدلوا يروحوا يموتوا سيرتو الجزائريين تاعنا. Les abus les plus terribles furent commis par les surveillants qui avaient plein pouvoir sur les hommes. Sur ces lieux, pendant les travaux forcés, les déportés sont surveillés par des perroquets. Dans la terre, nous avons le chantier.
الصر يعرف يروح لهيه حنا نقعدوا وهذا اضطرار تشر كي يجي يعيط علينا صر غيام يخبروا باش ما لقاناش صر غيام ايه وزو ايه ثمانية ما عندش خبر يقول إلي ويتور إلي ويتور هذا الطير أنا شفتو هذا الطير بلاد ما نعرف كيف هذا الوزو إلي ويتور إلي ويتور واحد يقول الطهار أنظر صحيح طيب أنظر صحيح لا فروق سيدي محمد داز جزاو لما شوية دا ياكلوا الناس دي ميساج من النار من الشادي شادي يقولوا لك تلاقي روحك تدخل الوسم وتروح عليك ياكلوا Les animaux sauvages, les insectes et serpents venimeux qui grouillaient dans la jungle traumatisent notre témoin à ce jour. Il y avait les insectes qui causaient des plaies, les plaies qui s'infectaient, gangrène, etc., maladies, fièvre. شيكار يولي كي الحب نتاع الحمص وعند الصيبان هذا الدود هذاك راشي في هذاك البلاصه كان اللي يكسر لهم كراعيهم كان اللي يكسر لهم الشيكا يقولوا لها الشيكا ما تنجمش تمشي ثم كيما حكى لي بابا ما تنجمش تمشي ثم كاين بابا كان واحد الطيرة هنا أو المرأة عنده أخبار هنا هذا قريب هكذا يسمها يسم دم يمشي هو تخدم هكذا في الشعر تاعو باش ما تفيقها حتى تموت حتى تموت هذا اللي حكى لي بابا بلسانو عالسان تاعي برك غير هذا اين فوا تجرح تحت ليه مولي حنا هكذا اين بلاي مفتوحة هكذا مام كيما 80 عام عنده مفتوحة هكذا مدووشة ربي حفظه تما يا اخي استنكليما تروبي كاهل Les insectes, les épidémies, on peut faire ça. Il a dit que dans le Saint-Laurent du Maroni, il y avait des sœurs blanches, il a dit que les médecins sont allés à l'Europe, à la guerre mondiale. Les infirmiers, ils disent qu'il n'y a pas de liquide, le mal et le mal. Une plaie ouverte, près de 20 cm, tu vois qu'elle est ouverte, tu ne sais pas, et il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui دارت له شويه انتيك في المشيان تاعو ثاني هذه قالت لي سبحان الله les vers qui mangeaient vivant le cerveau des baleines ouais, qui s'endormaient par terre par exemple ce genre d'horreur les insectes qui vous dévoraient hein. Vous étiez mort donc c'était vraiment des conditions plus que difficiles. Ah, si ce lieu pouvait parler et nous dévoiler les noms de tous les déportés enterrés dans le silence et l'indifférence de l'administration pénitentiaire. Pour laisser budget des bagnards, j'ai Gaston Patou qui était quand même bagnard à Charvin et il me disait que parfois on était tellement pressé d'enterrer les bagnards qu'on n'avait même pas le temps de leur faire des cercueils. Et on fabriquait des cercueils à l'aide des palmiers pinots, là, les wassail guyanais. Hein, et on fabriquait donc des cercueils en feuilles et on enterrait les bagnards rapidement aussi. Hein. Et il m'a même précisé que parfois les bagnards étaient enterrés presque à fleur de terre et que bon,
et qu'il est arrivé d'imaginer parfaitement le corps de l'un de ses comparses enterré à Charvin. Parce qu'on n'avait pas le temps, il fallait faire vite, et puis bon, en pleine forêt, on comptait voir le bagnard pourrir rapidement, quoi. De nombreux déportés finissent par devenir impotents suite aux accidents sur les chantiers pendant les travaux forcés et aux maladies tropicales, comme l'indique ce certificat médical du déporté algérien Bahou Mohamed, trouvé dans les archives, qui a subi l'amputation des quatre phalanges de quatre doigts. Et de Ben Saïd Mohamed, classé impotent pour sénilité. Ils finiront leur vie au camp des impotents. L'île Saint-Louis du Maroni, appelée l'île des hommes fondus, un autre lieu de détresse où seront également envoyés ceux d'entre eux atteints de la lèpre, qui étaient mis à l'isolement sous constante surveillance pour éviter la contagion de la terrible maladie. Ils seront internés pour le restant de leur vie. Cette route de triste mémoire qui relie aujourd'hui Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni a été autrefois un lieu de supplice pour les déportés. Son histoire remonte à 1906, au moment où le projet a commencé. On l'appelait la route coloniale. La route coloniale, où ils ont travaillé dessus pendant pratiquement 100 ans. C'était très dur. Charles Péan, envoyé spécial de l'armée du salut en Guyane, signale dans son rapport établi en 1929 que les travaux les plus durs et les plus meurtriers de la route coloniale étaient effectués majoritairement par des Arabes. Et puis, ils ont vraiment été utilisés pour les constructions de routes. Le nombre de morts, il y en avait un par mètre, dans des lieux impensables, reculés dans la forêt, des éléments qui n'ont d'ailleurs même pas forcément servi. Eugène Dieudonné, déporté en Guyane, évoque cette route. Les tronçons de route guyanaises sont faits de cadavres. 17 000 forçats y sont enterrés. Par exemple, Albert Londres stigmatise beaucoup le chantier de la route qui devait relier Cayenne à Saint-Laurent. Il parle par dérision de la route numéro 0 parce qu'elle n'existe pas. Combien sont morts sur ce chantier? Combien? On dit, et moi j'ai repris, mais combien? On ne sait pas exactement. Non, je vous dis, il reste beaucoup, beaucoup de choses encore à voir. Albert Londres, le célèbre journaliste du Petit Parisien, qui a enquêté en 1923 sur le bagne et sur cette route coloniale, dit que... C'est une route pavée de crânes. Toujours sur les traces des déportés algériens, nous partons vers le bagne des îles du Salut, situé au large de Cayenne. Un lieu paradisiaque constitué de trois îles, l'île Royale, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. Un lieu touristique qui fut autrefois un enfer réservé aux déportés les plus durs. Des îles cernées par l'océan, infestées de requins, d'où toute évasion était impossible. C'est une prison de haute sécurité. Arrivant dans un lieu d'histoire, j'ai épousé la vie des bagnards. Voilà. Serge Collin nous fait visiter le musée de la déportation. Nous y trouvons des documents où figurent des noms d'Algériens décédés sur cette île. Des correspondances de Abdelkader Soufi, dans lesquelles il demande un interprète en arabe. «
Si les gens sont un peu passionnés d'histoire, naturellement, leur réaction immédiate, c'est la cruauté, hein, c'est la stupeur, hein, devant la cruauté de certains hommes pour d'autres hommes, vous voyez. Hein. C'est quelque chose qui marque immédiatement les gens. Les Allemands qui viennent ici trouvent drôle qu'on leur reproche d'avoir fait des camps de concentration, alors qu'ici, on considère un peu ça comme un camp de concentration. Hein. Il faut bien comprendre que quand le bagne s'installe aux îles du Salut, il s'installe sur des îles totalement désertes et dans un état de nature absolue. Donc à partir du moment où on y implante des centaines et des centaines de personnes, il faut établir des terrasses pour retenir la terre, qu'elle ne parte pas avec des constructions dessus par l'effet des pluies, etc. Donc il y a des travaux absolument considérables de terrassement, de soutènement, de construction de maisons, de construction de quais. Tout ce qui est ici a été fait de la main des bagnards pour permettre la vie et la survie de milliers, de centaines de condamnés, sur le total de dizaines de milliers. Donc tout ce qu'on trouve de la main humaine sur le bagne, et ce sont des travaux souvent considérables, ne serait-ce que ces centaines de mètres de soutènement de l'intérieur de l'île, a été fait par les forçats, avec des moyens en plus extrêmement réduits, à main d'homme. C'est du mur de pierre sèche. Hein. On voit bien que les bagnards étaient aussi des paysans. C'est solide. Vous avez là le quartier disciplinaire. Alors le quartier disciplinaire, c'est l'endroit où on enferme les bagnards déjà condamnés qui ont commis des fautes ici au bagne. Hein. Insulter un surveillant. Entre 8 et 15 jours de cachot. Rouspéter pour la nourriture sans raison, c'est un euphémisme naturellement, les gens mangeaient très mal ici. 30 jours de cachot. Désarmer un surveillant de service, ça pouvait aller jusqu'à la peine de mort. La décision du 24 mai 1894 définit une série de punitions, comme fournir du pain à un homme puni, 30 jours de cellule. Réclamer contre l'insuffisance ou la mauvaise qualité des aliments. 30 à 60 jours de cellule. Être en possession d'argent. De 6 à 30 jours de cellule et confiscation du corps du délit. Ramasser sur les îles une ou plusieurs noix de coco qui jonchent le sol. 60 jours de cachot. Les motifs de punition ont été fréquents. C'était absolument épouvantable, l'imagination, mais complètement folle en ce qui concerne les punitions. Par exemple, nous avons trouvé des documents de demande de punition à l'encontre de Ben Hamour Abdelkader, trouvé en train de confectionner une natte avec la paille réservée à la confection de chapeaux. 8 jours de cellule. Ou encore, l'Khdr, au motif d'avoir été trouvé assis pendant les heures de travail, qui est puni de 15 jours de cellule. Un autre Algérien a été trouvé à 14 heures au quartier des Libérés sans autorisation. Il a un avertissement. Alors naturellement, vous êtes ici dans la deuxième partie du quartier disciplinaire qu'on appelle les cachots clairs. Alors, pourquoi cachot clair ? Eh bien, dans la journée, il y avait un peu plus de luminosité dans les cellules. C'est pour ça qu'on les appelle les cachots clairs par rapport aux autres, qui sont des cachots relativement sombres. Hein. Alors, les conditions sont terribles parce que ce sont des bagnards condamnés aux travaux forcés. Et quand ils ne travaillent pas, on les nourrit pas, voyez. Les conditions de nourriture dans ces cachots, on était au pain sec et à l'eau 2 jours sur 3. C'est-à-dire qu'on leur donnait la soupe que tous les 3 jours. Et déjà, les conditions d'alimentation sont déplorables. Hein. Dans les cachots noirs, bien naturellement, les gens sont dans le noir toute la journée. Hein. Donc, ça pousse à la folie. Hein.
tout le côté disciplinaire, là, la prison à Royal, là, où passer les matons avec des chaussons, de quoi devenir fou, quoi. C'est, si on ne mourait pas, on devenait fou. La beauté des paysages et notre émerveillement s'effacent rapidement pour laisser place à des sentiments plus sombres. On trouve également les cases où étaient isolés les Arabes malades. C'était l'asile pour les forçats qui devenaient fous. Et puis, ben, y avait parfois de bonnes raisons pour devenir fou au bagne. Sur cette île, le journaliste Albert Londres a rencontré trois Algériens. Il décrit la discussion qu'il a eue avec eux. Cellule numéro 2. Bourras. Il se promenait nu dans sa concession à perpétuité. Ainsi se nomment les cases. Eh bien, Bourras, tu veux me demander une boîte de lait, toi aussi, ce matin ? Bourras sourit. Je voudrais prendre la liberté. Cellule numéro 16. Aswad se promenait comme une bête, tout nu, à quatre pattes dans sa cellule. Il avait un baquet rempli d'eau sale dans un coin. Alors, il boit toujours de l'eau sale ? Plus elle est sale, plus il se frotte le ventre. Aswad, on va te mettre de l'eau propre. On fit mine de lui enlever son baquet, mais il rugit et montra les ongles. Cellule numéro 14. Boutrich Ammar, c'est un arabe. Eh bien, Boutrich, tu es sorti ce matin ? Oui. Alors, tu es content ? Oui. Boutrich Ammar veut sortir tous les matins pour tuer son ennemi, le soleil. Il prend des pierres et il les lance dans le soleil. Dans les archives, nous avons trouvé un procès-verbal signalant que dans la cellule numéro 16, le condamné à mort Tayeb Ould Ahmed a été trouvé pendu. Ces ruines sont hantées par tous les hommes qui ont succombé ici à leur souffrance. Des lieux qui subissent les outrages du temps. Après la Seconde Guerre mondiale, on voulait effacer ça. Hein. On voulait effacer parce que la souffrance des hommes avait été terrible, le taux de mortalité très élevé. Hein. Donc on pouvait penser que d'avoir exilé des gens en Guyane, ça avait été un tort considérable. Hein. Nous poursuivons notre quête sur l'île Saint-Joseph. On l'appelait la silencieuse, la mangeuse d'hommes. Ici, sur Saint-Joseph, ça a été un moment l'île où on a enfermé des condamnés politiques sous le Second Empire. Et puis, c'est devenu l'île du bagne, c'est-à-dire l'île où on subissait en particulier la peine de la réclusion. Une île qui a accueilli les incorrigibles pour une durée de 5 mois à 5 ans. Un lieu qui respire la douleur. La nature a repris ses droits. Tout ici n'est que ruine. Des ruines qui témoignent des atrocités qu'ont subies en ces lieux les déportés. Saint-Joseph, c'est quelque chose d'envoûtant, d'inquiétant. Bon, maintenant, en plus, avec tous les ficus qui étranglent les murs, c'est quelque chose de terrible. On peut lire sur les murs. J'ai souffert. J'ai aimé d'un amour cruel et de haine. Au-dessus de la vie, ton espoir. On compte les jours.
C'est la notion de la punition extrême, c'est-à-dire l'astreinte au silence, contraindre finalement le plus le corps et le contraindre aussi en le mettant dans le noir. Le silence absolu, l'impossibilité pratiquement de faire des mouvements, interdiction de s'allonger sur la paillasse, la ration d'eau extrêmement restreinte, le seau pour les déjections qui était dans la cellule et les gardiens qui se promenaient au-dessus et qui surveillaient par les grilles qui servaient de toiture en partie. C'était un régime absolument terrible. Entendre la mer et ne jamais la voir. Voir les hommes et ne jamais leur parler. Guillaume Sesnec, ancien déporté sur cette île. Le seul contact qu'ils avaient une fois par jour, c'était celui de l'ouverture du guichet par lequel on leur passait la nourriture. Et là, ils étaient soumis à des régimes de famine avec la ration de pain sec et d'eau, la ration normale, c'est-à-dire ration de famine un jour sur deux, quelquefois selon la période, un jour sur trois. Courant après les cafards pour améliorer la nourriture, vous voyez. On voit ces hommes qui passent la tête par le guichet pour être rasés. Je crois que c'était une fois par semaine. Dans son rapport, Charles Péan dénonce ce dépotoir de vie humaine. Des déportés infirmes, incurables, des cancéreux, des gangrénés. On a retrouvé aussi pas mal d'écrits donc de Bagnard qui se confiaient aux médecins parce que c'était un peu le personnage humain. Dans le milieu carcéral. Le dessinateur Lagrange restitue dans ses dessins l'état de déchéance humaine de ses déportés. La majorité d'entre eux voient dans la mort une délivrance. Les médecins du bagne dénoncent 9 médecins pour 20 000 malades. Dans les camps de la mort en Guyane, les médecins ont fort à faire pour arracher ses proies à la camarde. Les transportés sont toujours pieds nus et 800 pour 1000 sont infestés d'ankylostomiase. On les appelle les débris humains. La moyenne de la vie d'un forçat ne dépasse pas 4 ans. Ils sont venus à 800 au bagne. Dans 6 mois, 200 seront morts. Les condamnés ont faim. Le bagne gouge insatiable, dévore en moyenne chaque année 800 forçats. J'ai vu des transportés bien portants, dans la force de l'âge, s'éteindre en quelques mois. Les rations alimentaires, d'une façon générale, quel que soit l'emplacement, étaient fixées de façon très administrative, mais elles étaient fixées de façon restreinte, c'est-à-dire qu'on calculait la nourriture au plus juste. Alors que ces gens étaient, pour la plupart, soumis au travail, quelques-uns au travail de force. Ils auraient dû avoir des rations établies en conséquence, ça n'était pas le cas. Et les médecins se sont élevés contre ces conditions de vie. Le docteur Louis Rousseau, un médecin du bagne, dans son livre « Les hommes punis », a écrit « La France a réalisé la plus vaste et la plus irréprochable des expériences sur la contagiosité de la lèpre. » L'esprit humain est totalement occulté. Avec le bagne, on retrouve exactement la même chose. Se trouver, c'était banal. Hein, de voir un bagnard qui souffre, qui meurt de faim, dont les plaies s'infectent. Les notions d'hygiène étaient absolument rudimentaires. C'était le même bassin qui servait à prendre l'eau pour boire et l'eau pour se laver le derrière. C'était la même boîte qui servait pour le puiser. On s'étonne après qu'il y ait des épidémies. Mais non, le bagne, c'était spécifique. Sur cette île, seuls les surveillants et leurs familles ont droit à une sépulture. Il n'y avait pas assez de place pour enterrer les bagnards, donc on les jetait carrément dans la mer pour des raisons pratiques, d'espace utilisable. Ceux qui sont morts ici, naturellement, ont disparu, puisque la plupart ont été jetés à la mer, en ce qui concerne les bagnards des îles du Salut.
chaque fois qu'il y avait un bagnard mort et qu'on allait jeter à l'eau, il y a une cloche qui sonnait et ça faisait venir les requins. Immergés en mer. C'était les requins qui s'échappaient. Combien de déportés algériens décédés sur cette île ont été jetés en pâture aux requins dans l'océan Atlantique? Ils n'avaient pour eux ni loi, ni droit, ni justice. Ils n'avaient que la pitié à implorer.